Bonjour mes chers élèves de CE1, bienvenue sur votre chaîne Chocomanie TV. Je vous présente votre livre préféré, L'Arbre aux mots. C'est une autre façon d'enseigner la langue française, méthode de France. Alors aujourd'hui, on va voir côté conjugaison. Allons-y, on va découvrir ensemble la séance d'aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Alors, normalement, on va changer de place. Voilà. Est-ce que c'est juste? On dit le verbe faire, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, vont. Est-ce que c'est juste? Le verbe aller, c'est je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils vont. Bien sûr, c'est faux. Alors, on va changer de place. Voilà. Je fais, je vais. Tu fais, tu vas. Il fait, il va, elle va. Nous faisons, nous allons. Vous faites, vous allez. Ils vont, ils font, elles, ils vont. Voilà, c'est juste maintenant. Alors ici, je cherche les formes conjuguées au présent de ces deux verbes, aller, c'est faire et aller. Dans le texte ci-dessus, et range-les dans le tableau de l'exercice numéro 1. On va voir. Nous faisons attention à ne rien oublier. Alors, nous faisons attention à ne rien oublier et je fais des sandwichs pour midi. Je vais attraper des gardons et papilles des brochets. Vous allez avoir chaud et tu vas porter ce chapeau. Si vous ne faites pas de pause, mamie, nous allons le mettre à l'ombre. Comme ça, les poissons ne vont pas nous voir. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez relire encore fois ce texte et dégager la forme conjuguée au présent du verbe faire et aller. Comme l'exemple de nous faisons, comme l'exemple de je fais, comme l'exemple de je vais, comme l'exemple de vous allez, ou tu vois. Vous faites, nous allons et nous vont. Les poissons ne vont pas. Voilà. Et voici la conjugaison de ces deux verbes, le verbe faire et le verbe aller. Qu'est-ce que vous allez faire encore une fois? Vous allez vous entraîner très, très, très bien en écrivant plusieurs fois jusqu'à la maîtrise de ces deux verbes au troisième groupe, qui appartiennent au troisième groupe. Faire, je vais, tu fais, il fait. Faire attention à la prononciation. Ne faisons, oui, ne faisons. Vous faites, ils font. Le verbe aller, on dit je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez. Vous avez compris? Allons-y, on va découvrir ensemble les autres activités du jour de vie. Alors, je m'entraîne ici. Après avoir maîtrisé les deux verbes aller et faire, c'est-à-dire. Je maîtrise complètement la conjugaison de ces deux verbes, aller et faire. Je peux faire facilement ces exercices. Je relis chaque sujet au reste de sa phrase. Tu, et nous, il, je, elle et vous, ce sont des pronoms personnels sujets. On sait déjà. Tu et nous, il et je et elle et vous. Voici la suite des phrases. Font des commissions, va avec toi, fais des crêpes, allez chez le docteur, faisons des réserves, vais courir dans le stade. Alors ici on dit tu fais du crêpe. Nous faisons des réserves. Ils font des commissions. Je vais courir dans le stade. On peut dire aussi je fais des crêpes. Soit on dit je fais des crêpes ou je vais courir dans le stade. Les deux sont justes. Elle va avec toi. Vous allez chez le docteur. D'accord? Tu fais des crêpes, nous
Nous faisons des réserves. Ils, avec S, ils font des commissions. Je vais courir dans le stade où je fais des crêpes. Elle va avec toi. Vous allez chez le docteur. Alors, deuxième activité, recopier en complétant les phrases avec un pronom personnel sujet. Alors, on dit, vous allez dans la voiture. Je vais en vacances au bord de la mer. Il avec S. Ils vont à la piscine. Ou elle avec S. Elles vont à la piscine. Tu vas avec lui. Nous allons jouer dans le jardin. Vous faites un bon couscous. Il fait ou elle fait. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Ils font ou elles font un nouveau jeu. Alors je recommence. Vous allez. Je vais. Ils vont ou elles vont avec S. Tu vas. Nous allons. Vous faites. Il fait. Ils font ou elles font. Troisième exercice ou troisième activité. Récris dans ton cahier les phrases avec le pronom. Avec le nouveau pronom personnel sujet. Par exemple, ici, elle fait du foot. On dit ne faisons. Mais je sais comment écrire ne faisons. F-A-I-S-O-N-S. Nous faisons du foot. Vous faites du théâtre. On dit tu fais du théâtre. Je fais la grimace. On dit elles font la grimace. Nous faisons du foot. Tu fais du théâtre. Elles font la grimace. Elles font la grimace avec ONT. Elles font FONT. Alors ici, si tu sors de l'activité orale, imagine une réponse aux questions. Si moi je pose la question, toi tu vas répondre. Où vas-tu? Est-ce que vous allez à l'école aujourd'hui? Répondez. Quand font-elles du basket? Que fais-tu après l'école? Où vont tes parents? Vous cherchez uniquement les réponses qui sont justes. Par exemple, où vas-tu? Je vais à l'école. Où vas-tu? Je vais à l'école. Est-ce que vous allez à l'école aujourd'hui? Oui, nous allons à l'école aujourd'hui. Etc. Alors, c'est la page 82. C'est la conjugaison du verbe aller et faire au présent. C'est comment conjuguer ces deux verbes au présent. Merci beaucoup. À la prochaine. N'oublie pas, prochaine vidéo sera donc pour des activités. D'accord? Des activités. Correction des activités. Allons-y.